Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 34 de la voiture de Starsky Hutch. Vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, pensez à le faire avant de commencer et on est parti. Alors, notre numéro 34 de Starsky Hutch, le montage du pot d'échappement, les pièces de nos 35, donc ce sera pour monter le frein de parking, notre pas à pas, quand même de quoi faire dans ce numéro là, notre résultat fini à la fin, le dit des épisodes, un anniversaire gâché, donc l'épisode 11 de la saison 2. Et on est parti! Alors nos pièces, en A, on a déjà notre tronçon avant de pot d'échappement. En B, c'est l'élément intérieur du silencieux. En C, l'élément supérieur. En D, c'est le tronçon arrière du pot d'échappement. En E, c'est l'embout du pot d'échappement. En F, on a l'impotence de pot d'échappement. En G, d'un petit sachet, c'est un accessoire de pot d'échappement. On a des vis JP et des vis BP. Alors, on vient en dessous de notre modèle, donc on le met sur des tréteaux pour pas appuyer sur le moteur. D'ailleurs, les tréteaux, je les mets à disposition pour les membres de soutien de la chaîne. Si vous êtes membre soutien, venez me demander, je vous enverrai le lien avec plaisir. On va venir mettre notre pièce A en place. Donc, on a juste à le coulisser. On pense aussi à bien l'emboîter juste ici. On retourne ça en faisant attention à notre châssis. Et on vient juste ici y mettre une vis BP. On revient à nouveau en dessous. On prend notre pièce C, donc celle-ci, que l'on vient mettre juste ici, comme ça. Et on la tient avec une vis JP. On vient ensuite prendre la deuxième partie. On vient la faire passer en dessous comme ça, on met l'intérieur ici et c'est pareil, une vis JP également. Ensuite notre pièce C, donc notre petit accessoire, on vient le mettre juste ici, donc on voit que c'est en forme de demi-lune pour le mettre dans le bon sens. Comme ceci. On prend ensuite la pièce F que l'on vient insérer dedans. Et on vient finir par mettre notre pièce E juste au bout ici. Par contre, c'est juste un truc, c'est cette pièce-là. Je ne suis pas sûr qu'elle est dans ce sens-là. Car quand on l'a, on voit que la patte est tournée vers l'arrière de la voiture. Et quand on prend ici, on voit qu'elle est tournée vers l'avant. Donc on verra dans un prochain numéro dans quel sens il faut la mettre. Et bon, voici pour notre numéro 34. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Tant d'habitude, donc pensez à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook et Instagram. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le lien dans la description du compte Tipeee. Vous avez le bouton rejoindre juste en dessous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!